La digitalisation des activités financières et le passage au paiement électronique, un segment essentiel débattu lors d'une première rencontre à Alger sur la place financière de l'Algérie, un pays qui s'engage dans un nouveau modèle financement, mais dont le déploiement demeure difficile. Le passage du cash à tout ce qui est électronique, pas simplement le retrait, le paiement chez les commerçants avec les terminaux de paiement, aller chez son boucher, aller chez le pharmacien et ne pas payer avec son billet de banque mais avec sa carte. Deuxième chose, c'est demain payer sans contact. Les technologies en place sont au top, que les plateformes sont garanties, que nous n'avons pas beaucoup de fraude sur les paiements électroniques, mais que les commerçants et les consommateurs hésitent à passer au paiement électronique. Affirmant avoir automatisé leur gestion, les compagnies d'assurance appellent à introduire la digitalisation dans la réglementation régissant les assurances en Algérie pour pouvoir souscrire des contrats d'assurance à distance. La plupart des compagnies d'assurance, et elles commencent à utiliser, donc en plus de ça, elles commencent maintenant à utiliser donc ces technologies de l'information et de la communication, telles que l'utilisation de leur site internet. Le site internet des compagnies d'assurance, donc il y a eu un basculement de site web vers le web marchand. Et il y a donc des sociétés d'assurance qui maintenant permettent à leurs assurés de payer l'assurance grâce à internet par le biais du e-payment. Une grande mutation s'est effectuée pour le développement du paiement électronique ces deux dernières années au sein des banques et autres acteurs financiers qui ont évoqué la mise en place d'infrastructures et d'un réseau technique pour le déploiement de la carte de paiement électronique. Toutes les plateformes sont installées, le paiement électronique aussi bien à travers le terminal de paiement mais aussi à travers l'Internet, donc le paiement par Internet est totalement opérationnel, il y a des transactions qui se font, il y a une croissance exponentielle des transactions. Il y a aujourd'hui au niveau des banques plus d'1,7 million cartes déployées. Si on compte les cartes d'Algérie Post, ça fait plus de 5 millions de cartes qui sont aujourd'hui totalement déployées sur l'Algérie et qui peuvent totalement faire des retraits sur DAB, des paiements par Internet et aussi des paiements sur les TPE. Ce nouveau modèle de financement économique ne pourra voir le jour sans avoir gagné la confiance des citoyens dans le circuit financier bancaire et des infrastructures qui permettront une montée en charge efficace sur toutes les transactions électroniques.